Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Yon l'autre fois, gros bonsoir et puis bienvenue pour nous toutes dans le journal là. Commission nationale marché public CNMP commémoré 17e anniversaire. Premier ministre Ariel Henry, qui était présent dans le cadre d'activité, a expliqué l'importance CNMP gagné en son pays. Chef gouvernement insisté sur sens mission institution ça pour demander aux responsables fait travail dans transparence et honnêteté. On suit un extrait. Nous sommes ici rassemblés pour marquer le 17e anniversaire de la Commission nationale des marchés publics, de cette conjoncture particulière où plusieurs des institutions appelées à faire fonctionner notre démocratie sont dysfonctionnelles, il est réconfortant de savoir que cet organe essentiel pour la lutte contre la corruption et la sauvegarde des intérêts de l'État est bien debout et s'acquitte comme il se doit des missions que lui confient les lois et les règlements. Ma présence à cette cérémonie ce matin participe d'une stratégie de légitimation et de renforcement de cette institution qui assume la lourde et parfois dangereuse responsabilité de prévenir et de combattre la corruption dans la passation des marchés. Dès mon arrivée à la tête du gouvernement, j'ai compris et affirmé qu'il n'était pas très sain de gérer les affaires de l'État sans avoir rendu compte à qui que ce soit. Heureusement, la CNMP qui intervient en amont dans le processus d'attribution des marchés importants de l'administration publique est là pour veiller au grain et s'assurer du respect des lois et des règlements régissant la matière. C'est justement de l'exercice de ce pouvoir que je voudrais vous parler. Le renforcement institutionnel, ou, devrais-je dire, la refondation institutionnelle, passe par le fait que chaque entité publique, chaque institution soit libre d'accomplir la mission qui est la sienne sans interférence aucune. Pas d'interférence de la part du pouvoir politique, mais pas d'interférence non plus de la part du secteur privé et des co-contractants de l'État. Il importe que la CNMP continue de résister aux pressions d'où qu'elles viennent, et que la CNP agisse toujours de manière indépendante dans les multiples décisions qu'elle est amenée à prendre. Pour la préservation des intérêts de l'État, il est essentiel que les marchés publics soient attribués en suivant les quatre grands principes de bonne gouvernance que sont le libre accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures, le respect de l'éthique et l'efficacité des dépenses publiques. Mes amis, pays moins a traversé une situation économique, financière, terriblement difficile. Citoyens attendent un pile dans main l'État. Et c'est de voir l'État pour répondre à ça et à pas tant. Mais, taxe la douane et impôts des GI ramassés, pas qu'à permettre nous faire face à tout problème l'État vient pour le résoudre. Contrebande à corruption fait l'État perdre un pile d'argent qui t'a cassé la vie pour payer peuple à service. En plus de ça, l'État est obligé à subventionner gaz et électricité.
C'est pour être ça, rôle CNMPA important en pile. Pour assurer que chaque grain à aucun, chaque goutte l'État a dépensé, pas fait autre couche, et bien utilisé pour servir l'intérêt du peuple haïtien. James Medina, c'est un jeune garçon qui étudie technique orthopédie dans l'université Don Bosco dans le pays Salvador. Jeune nom te prend décision ça après l'été perdu pied dans le tremblement de terre 12 janvier 2010 là. Dans l'occasion journée internationale mon handicapé yo, TNH a invité au suivi un reportage sous façon James Medina a mené activité malgré handicap. James Medina c'est une victime tremblement de terre 12 janvier 2010. Avant catastrophe naturelle ça, jeune ça qui te gain 21 l'année était déjà fin fait philo, il t'a étudié laboratoire médical dans l'Institut Louis Pasteur. Et c'est dans l'école ça même, James Medina a été trouvé le 12 janvier 2010 passé. Hein? Après plusieurs mois à l'hôpital, il sorti avec jambe gauche coupée. A qui on suit organisation non gouvernementale handicap international, il étudie des techniques en orthopédie dans l'université Don Bosco dans le pays Salvador. Une étude li fait par correspondance pendant 3 années. Depuis quelques temps, James Medina travaille comme technicien en orthopédie dans l'organisation non gouvernementale Healing Hands for Haiti. Objectif li, c'est aller plus loin dans la ville. Perdu une partie dans corps, c'est pas la vie qui est terminée. Ça rend possible que nous sommes capables d'avancer. Et prouver sincèrement, moi, orthoprothésiste, mais avant le tremblement de terre, combien dit nous TNH, avant le tremblement de terre, vie avant et vie après, pour moi-même, c'est qu'on y a un sentiment dans le bain. James Medina adapté sans trop de difficultés dans Healing Hands for Haiti, qui travaille dans le domaine réhabilitation et adaptation mon handicapé, puisque il y a un handicap, monde qui dans la même situation qui a fréquenté l'espace, trouvé très à l'aise. Si nous regardons, moi j'ai une prothèse. Et la prothèse, ça rend moi retrouver dynamisme, retrouver marche normale. Et ça rend tout. À chaque patient qui vient dans Healing Hands for Haiti, les gardiens, yo guion et d'espoir. C'est-à-dire que moi t'es une victime parmi eux tout. Et ça rend possible et travail moi que m'a fait dans l'institution en tant que orthoprothésiste ou bien technicien en orthèse et prothèse, ça rend moi travail moi aller plus facile. James Medina encourage tout le monde qui est handicapé rester positif pendant le fait qu'on est. Perdre un membre dans le corps, ça ne veut pas dire la vie finie. Yo capable toujours avancer. Responsable Institut Haïtien Langue Siyo remet prime by 3 finalistes qui participaient dans le concours slogan Soudoua Moun Handicapé yo vendredi 3 décembre 2021. Concours slogan Soudoua Moun Handicapé yo t'es occasion pour responsable IHLS la Fenel Bellegarde plaider en faveur en bonne condition vie et respect loi Soudoua Moun Handicapé yo. Michel Joseph et Midra Emilias a présenté nous un reportage. Concours slogan sur le monde handicapé, c'est l'occasion pour fondateur institution haïtien langue signe IHLS, Fenel Bellegarde, continuer de plaider en faveur et bonne condition la vie pour le monde handicapé. Il souhaite l'autorité faire appliquer et respecter la loi sur le monde handicapé. Pour nous, non seulement marquer la journée internationale du monde handicapé, qui c'est 3 décembre, donc d'ailleurs c'est pas aujourd'hui hein, date ça a fêté, c'est depuis en 1992, mais tout c'est pour nous clôturer un concours de slogan que nous avons fait. Donc c'est un concours de slogan qui était fait sous droit mon handicapé yo, qui était commencé depuis 1er novembre et qui finit 3 décembre ça là. Donc c'est un concours qui était ouvert avec tout le monde, tu gagne mon handicapé, tu gagne mon qui pas handicapé. Deuxième, troisième phase était faite sur internet là, côté que mon yo était mobilisé mon pour voter pour yo. Et ça qui était intéressant c'est que dans les commentaires, vous avez fait un grand pile commentaires positifs pour comment vous essayez de sensibiliser les gens. D'ailleurs, déjà sur les réseaux sociaux, nous avons une couverture qui est presque à 1 million de personnes que nous avons touché grâce à ce concours. Sans compter l'autre activité que nous faisons dans les médias, l'autre conférence de presse que nous avons. Donc, si nous étions seulement sur les réseaux sociaux. Donc, jeudi, nous avons clôturé l'activité. D'une part,
pour que nous remettre prio, mais d'autre part pour que nous marquer et journée internationale mon handicapé. D'ailleurs, nous avons constaté depuis année ça a commencé ou bien depuis quelques années mon handicapé vraiment négligé. Gon bande mon handicapé que caillote boule la piste que jusqu'à présent pas rien qui dit question accessibilité c'est casquette chinois. Gain hypocrisie qu'a fait jeudi en là ou prend pile mon a fait des postes oui avec mon handicapé, mais même mon ça yo bien même officiel ça yo pendant toute année yo pas jamais fait rien pour mon handicapé. Donc moi c'est forme hypocrisie ça pour nous camper dans société hein, pour que mon handicapé ak moun ki pa handicapé camper pour défendre droit mon handicapé tant que tout le monde. Yo nan gagnan konkoua remercie responsable HLS là pour façon li di konkoua organisé. Moi content du fait que moi arrivé faire message moi passé, gen l'autre monde qui fait message moi passé tout. Moi pas arrivé champion seulement moi-même. Et moi quoi tout dans monde qui arrive supporter mio qui a toujours continué goumi ensemble avec toujours mobiliser mon pour respect droit mon handicapé. J'ai que slogan me dit il choisit plus sous droit identité mais gen l'autre droit que yo pas respecté pour mon handicapé. Slogan me dit handicap moi pas identité suspend ironiser. Concours slogan sous droit mon handicapé te démarré 1er novembre passé ya. Pour finir vendredi 3 décembre 2021 date qui marque journée internationale mon handicapé yo. Ou t'a suivre contre Andy Midray Milias ak Michel Joseph. Merci Midray. Sous initiative association mon handicapé victime campus aviation yo organisé yon marche jeudi 2 décembre nan pour mander autorité yo bayo kay pour vivre ak fami yo. Moun sa yo nan la ri depuis plusieurs mois après di fete ravage campus aviation nan mois septembre qui saute passé a. Manifestants yo souhaité autorité yo prend disposition pour accompagner catégorie ça qui d'après ça yo fait connait vinn pi vulnérable. Plus détails ak TNH. Ça dit nous là pour nous faire l'état respecter droit pour nous faire l'état respecter ça dit l'état pas dire paraît sous papier et puis dans la réalité c'est pas ça que lui-même respecter. A dit 11 ans après le texte de loi ça c'est pour l'état faire nous connaître qui ça vous fait. Est-ce que nous reconnaissons que nous-mêmes nous va faire partie pays ou bien est-ce que nous-mêmes nous dans pays? Faut que j'ai une réponse dans ça. C'est un nous 10 mois, c'est pas jeune payer. Hein? Pas jeune payer deux fois le pays pour année. Moi ça veut nous 10 mois pas jeune mon good $300. Nous-mêmes nous pas mettre $300 encore. Nous mettre pour payer me faire directeur c'est ça payer tout un handicapé 10 mois plus à partir de janvier pour monter. Nous mettre $300 encore. N'a pas à 10 000 gouttes les mois. Et ça nous besoin. Handicapé va y côté pour 2000 à l'heure dit, elle le secrétaire d'État. Et puis on va mettre moyen là-dedans. N'oubliez nous, je vais descendre. Ou pas si j'ai préparé, frère. C'est Green Ziri, il a préparé, j'ai mis bébé qui, c'est bon, c'est bien qui m'a même. Ça pour tout. Mais soit ça, Barrel. Imaginez pendant une année. Mon frère, nous avons fait une visite dans le secrétaire d'État, sous la zone. Les conditions comment nous avons dormi. Comment nous a fonctionné. Il y a un handicapé qui est sick petit. Il n'y a pas qu'à manger, il n'y a pas qu'à boire. Toi, des sommes dans ces journées mondiales. Au moins, vous devez faire façon de $1,000 ou $2,000. Vous devez accompagner un chèque de subvention. Donc, on va se dire qu'il n'y a rien à préparer. Mais c'est la raison ça. C'est notre objectif qui nous dit nous perdons 3 décembre, nous allons perdre et nous finissons l'année. Office Assurance Véhicule Contier OAVCT. Lancé un nouveau et spécial renouvellement assurance qui pote nom 7 sur 7. Et spécial ça a démarré mardi 7 décembre cap Vinila pour bout vendredi 7 janvier 2022. Décision ça prend en tête collée avec plusieurs syndicats transport dans l'idée pour soulager propriétaires véhicules et motets qui ont traversé un moment difficile d'après DG OAVCTA Fritzner Bernadel. Un extrait dans Michel Richardson Jourdan avec Michel Joseph. Direction générale OAVCTA a informé public là en général à clientèle LIA en particulier li lancé un nouveau et spécial renouvellement police assurance qui relève 7 sous 7 t'a commencé m'a dit 7 décembre 2021 pour finir vendredi 7 janvier 2022. Même modalité, tout
tout propriétaire moto, voiture, camion, tout terrain qui doit 2 ou 3 ans à payer seulement 1 an. Si on doit 4 ou 5 ans, il a payé seulement 2 ans. Et si on doit 6 ans ou plus, il a payé seulement 3 ans. Direction générale OAVCTA décidé lancer un spécial ça dans tête colle à plusieurs syndicats transport terrestre qui gagne dans pays ya tankou STTH Palamota à l'autre encore. Décision ça visait soulager propriétaires véhicules terrestres avec moteur qui a fait face à en pile difficulté économique dans jour ça yo. Si tout à cause problème gaz là qui provoque phénomène insécurité dans pays là. N'a rappelé tout propriétaire véhicules terrestres avec moteur yo article 21 décret mai 2006 là interdit yo si qu'il est sur territoire national là sans une police d'assurance valide ak yon plaque immatriculation DGI. Plusieurs élèves, parents et professeurs l'école manifestés dans la rue Port-au-Prince jeudi 2 décembre pour demander libération directeur l'école Cœur de Jésus. Individu moun pa rive identifié kidnappé Sonny Guichard lundi passé. Manifestants yo ki si on en plusieurs rue dénoncé sa kidnapping lan kap valé terrain dans pays a. En Suisse. L'école n'a pas ouvert depuis le kidnappé directeur là. Et sécurité a vu plus mal. Ça veut dire nous pas qu'à descendre. Et nous t'as supposé composer, nous besoin composer, nous besoin la guerre directeur là. Pour nous qu'à finir malgré tout ça passé là, après examen état, nous besoin d'un examen état, nous besoin de la guerre directeur là. Kidnappé n'a pas monté, pas grand monde qui a joué à l'aise. Donc il fait 6 heures, tout n'a pas monté la carrière. Mon avis sous stress. Il n'est pas normal, mon pays, je veux mon pays. Donc il n'est pas normal, je veux vivre. Je veux vivre. Directeur, c'est M. Sonny Guichard. C'est un humain. Ce n'est pas un directeur qui est juste dans le bureau. Il prend toutes les lunettes. Moi, je suis ancien élève de l'école. Je quitte l'école depuis plus de 10 ans. Et grand pile là, nous, là, qui est là. Seulement ça que j'ai demandé. Je me demande, ça me fait un geste d'amour. Parce que, dans le niveau de l'arrivée là, c'est seul l'amour qui a été mis dehors. C'est vrai, parfois, quand on dit qu'on a un cancer, on dit qu'il est en phase qui est irrécupérable. Mais moi, je crois que la phase de la vie, on croit que pas gagné bon Dieu pas capter. Et moi, je crois que nous avons capté des messages. Moi, je crois que la conscience nous a touché, nous avons fait. Nous avons un petit souffle. Nous avons un petit souffle. Top lui. Top lui. Fais-le pour vous. Fais-le pour moi, tant que haïtien. Fais-le pour nous tous. Parce que Haïti n'a pas mourir. Escouade démocratique dit li appuyé possibilité pour gouvernement ta augmenter prix gaz là. Selon même organisation en décision ça capable permettre équipe gouvernementale là adresser divers problèmes population a fait face. Y en extrait. Escouade démocratique qui se défend ses peuples là. T'es à l'enquêter sous affaire prix gaz là qui pourrait monter. Mais ça nous joue comme information. Nous mettre quoi escouade démocratique dans information nouvelle bayou là. Président Jovenel Moïse te fait un pile tentative pour te remonter prix gaz là, mais il n'est pas capable parce qu'il n'est pas de un gouvernement de consensus largement large, tant que le gouvernement Pierre-Marie-Henri Henry qui rassemble tout secteur dans la vie nationale. Le président Jovenel Moïse vient choisir Dr. Ariel Henry comme premier ministre. Dans la feuille de route là, le président Jovenel Moïse demande augmentation prix gaz là. Nous mettons quoi l'escouade démocratique? C'est le président Jovenel Moïse, dans la feuille de route là, il demande augmentation prix gaz. Mais, journée aujourd'hui, PM Ariel Henry qui a une mission pour mettre sécurité dans le pays. Baille peuple à courant. L'eau, payer emploi et l'État. Faire route. Organiser bon genre élection. Juger le nécessaire pour monter prix gaz là parce que PM Ariel Henry dit
pas de moyens pour être capable de faire élection dans le pays pour monter le salaire de l'emploi de l'État. Mais ça, le peuple a demandé à PM Ariel Henry. Parce que nous-mêmes, nous consultons PM Ariel Henry et nous consultons le peuple à tout, étant que défenseur peuple pour nous connaître, qui ça pour nous dire à PM Ariel Henry. Mais ça, le peuple a demandé. Le peuple a demandé à PM Ariel Henry pour ne pas monter le prix à 3 euros. Parce que le peuple a supporté, parce que gaz là sont produits transversales, le peuple a demandé pour ne pas monter le 3 euros PM Ariel Henry. Deux. Depuis que vous avez monté, tu as descendu sur le marché international là, c'est pour descendre tout dans le pays d'Haïti. Le peuple a dit, depuis que vous avez monté dans le marché international là, tu as descendu dans le marché international là, c'est pour descendre tout. L'aile montée ou à monter le tout. Toi, le peuple a demandé à PM Ariel Henry. Faut que le problème ça y résout. Qui problème y a? C'est le problème de sécurité. Le problème courant dans le pays pour tout le monde capable d'étudier, si vous voulez l'école. Problème route. Problème l'hôpital, problème l'école, problème élection qui doit organiser dans le pays. Ministre Commerce et Industrie Ricardin Saint-Jean, installé vendredi 3 décembre 2021, Petrix Justin comme directeur général Société Nationale PAC Industrielle. Dans l'occasion, un nouveau DG Sonapi a remercié le Premier ministre Ariel Henry pour confiance lui placer dans lui et puis promettre. L'IPRAL continue de travailler pour avancement institution pendant le souhaité joindre une collaboration toutes collègues liés. Plus de détails dans mon micro, Emilias et Max Joseph. C'est avec une grande émotion que je prends la parole par devant cette haute personnalité qui ont répondu à notre invitation au moment de mon entrée en fonction comme directeur général de la Société nationale des parcs industriels. Je considère votre présence comme un privilège dans cette salle. Je m'en mesure toute la portée que vous et vous remerciez pour l'immense honneur fait ainsi à l'institution et à mon humble personne. Je veux en premier lieu remercier le Premier ministre, Son Excellence Dr. Ariel Henry, pour la confiance placée en moi en faisant choix de ma personne pour diriger une institution aussi importante qu'est la Société nationale des parcs industriels. C'est avec un enthousiasme et un profond sentiment d'humilité que j'envisage d'accomplir cette délicate mission. Monsieur le ministre, vous voudrez bien transmettre au Premier ministre mes sincères remerciements et l'assurer de ma détermination à m'acquitter honorablement de ma fonction. Je veux également exprimer mon engagement pour votre inconditionnel soutien et vous assurer déjà que les actions que vous êtes menées sous mon administration seront cohérentes et conformes à la feuille de route qui m'a été confiée. Troisième édition concours Génio c'est Avenir PIA et du Pôle été lancé vendredi 3 décembre non démarré. Concours ça a été permettre jeunes qui sortent dans plusieurs quartiers joindre formation dans différents domaines. Les réalités dans l'idée pour permettre aux jeunes participer dans lutte contre violence à travers quartier d'après responsable départemental et du Pôle là Jimmy François. Un bout d'intervention dans micro Lunel Jean-Louis avec Max Joseph. Une activité de quartier, une activité organisée sous la houlette de la police communautaire, réunissant 9 quartiers de la zone métropolitaine. Je veux parler de Tabar, Pétionville, Delma, Cité-Soleil, Sâtre, Tim, Tibois-Gravine et autres. C'est toujours dans un cadre enchanteur que nous accueillons les jeunes. Nous accueillons les jeunes pour la formation, pour les éduquer, pour les permettre d'apprendre en bien à se construire leur citoyenneté, apprendre en bien leur avenir. C'est un espace conçu pour les jeunes, avec les jeunes, pour combattre sous toute forme les violences dont le pays est l'objet. Vous avez appris pas mal de choses. Vous avez bien appris.
Mais permettez-moi de vous dire, il y a un auteur qui dit, il ne suffit pas d'avoir l'esprit bon, le principal est de l'appliquer bien. Donc, ce que vous avez appris, vous allez le mettre en pratique. Vous allez faire preuve de votre perspicacité, de votre intelligence pour pouvoir mieux servir la communauté. Donc, c'est une occasion opportune pour la police communautaire de vous dire de continuer à travailler, à combattre la violence sous toutes ses formes pour pouvoir mieux servir la communauté. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.